Salut tout le monde, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis avec Louis, comment ça va? Ça va. Alors je pense que vous l'aurez deviné, on va faire du slime. Voilà, on a tous les ingrédients. Nous avons là de la lessive, de la colle transparente, de la peinture, de la mousse à raser pour faire du fluffy. On a même des dopes, voilà, c'est déjà douche, c'est pour parfumer notre slime. Là on a des trucs crunchy quoi, voilà, pour faire un slime crunchy. Nous avons ici des paillettes. Voilà, on a tout pour faire un super slime quoi. Mais voilà, tout ça c'est merveilleux. Mais le principe c'est qu'on va avoir des menottes. En fait, on va être menotté pour faire le slime. Donc ça va être assez compliqué. Mmh. Alors, Loïs, est-ce que tu as déjà fait un slime? Non. Jamais, non? J'ai déjà essayé, mais ça n'a jamais marché. Ah bah là, ça va marcher. On va essayer. Alors, du coup, on va se menotter. Et on va commencer. Allez. J'espère que ça va aller. Okay. Alors, on commence par la colle. Toi, tu vas prendre quoi? De la colle transparente? Transparente. Ou colle comme ça? Je propose qu'on fasse un chifoumi parce que moi aussi j'aimerais bien avoir de la colle transparente. Chifoumi. Ah, tu m'as battu. Allez, colle transparente pour toi. J'ai juste à montrer. Nous avons ici la colle transparente et moi je vais prendre du coup la colle blanche. Alors, moi, la colle blanche c'est nettement plus gros, même en fait, si je vais verser juste la moitié quoi. Mais voilà, c'est à peu près la même chose. C'est bon pour moi. Moi aussi, je vois. Allez. Hop. On a déjà mis la colle. Pour avoir un bon slime, qu'est-ce qu'il faut? Colorer slime, bien sûr. Ah. Donc il nous faut la peinture, voilà. Du coup, moi j'ai pris vert chelou, voilà. C'est joli, pailleté, je pense que ça va bien rendre quand même. Moi j'ai pris argent. Voilà, peinture argent. Ah voilà. Voilà, donc là c'est bon. À présent, alors toi tu veux faire quoi? Un slime crunchy ou fluffy? Un fluffy crunchy. Ok, bon, on va voir si ça marche. Voici de la mousse à raser. Bon, là je vous montre pas de plus près parce que voilà, vous connaissez, je pense. Hein. Alors voilà. Et là je vide. Vas-y, vide et tu verses. Tu mets tout? Oui. Non, ça marche pas comme ça. Vers de côté. Comme ça. Et oh, c'est censé marcher. Genre comme ça, sur le côté. Tout droit, quoi. C'est moi qui dis tout. Ouais. À toi, et tu as mis. Bon, alors maintenant, tu veux prendre crunchy, c'est ça? Ouais. Alors, tu vas prendre quelle couleur? Elle. Ok, bah un peu multicolore, quoi. Ouais, si, bah voilà, c'est du crunchy, toutes les couleurs, tout simplement. Oups. C'est ça, ça va me faire ce défi. C'est pas moi qui ai envie de faire. Arrête. Je sais pas du tout à quoi il va ressembler sur slime, mais. Il va être magnifique. Ouais. C'est très beau ton slime. Parce que c'est bon, hein, t'as fini le carnage. Est-ce que tu peux rajouter du parfum? Oui. Mmh. Alors, nous avons Prestagueda, tarte citron. Tartelette fraise, chamallow, pomme d'amour et glace noisette. Fraise. Tartelette fraise? Ouais. Ok. Voilà, dope, tartelette fraise. C'est un vieux dope celui-là, hein. Il n'est pas très récent. Hein. Ouais, c'est bon, c'est bon. T'as mis ton dope. Donc là, toi, il te reste plus qu'à mélanger, je pense. Donc du coup, moi maintenant, je vais prendre du crunchy aussi. Et moi, je vais mettre du noir. Voilà. Des petites boules noires, voilà. Ah non, tu peux pas. Du coup, ça c'est bon, c'est fait. Je vais en prendre des paillettes vertes. Voilà. Oh, j'en ai dans les cheveux. T'as quoi dans les cheveux? Des trucs là. On a des paillettes et moi je vais prendre les vertes. Oh, mais non. Mais j'ai fait n'importe quoi. Mais si. J'ai mis des paillettes jaunes. Attends, c'est plus embêté. Tu vas enlever les paillettes jaunes là? C'est un pourcentage. Voilà. C'est génial! Tu me dis ça, mon corps! J'ai fini avec les paillettes, j'en ai mis totalement de partout. Donc je pense que c'est fini pour le carnage des paillettes, quoi. Maintenant, moi je vais mettre un bon slime, genre chamallow. Dope, chamallow. Voilà, violet. Ils sont trop bons. Ils sont même pas, attends. Ouais, c'est bon, ça sent le chamallow. Bref, j'ai fini avec mon slime, même si c'est n'importe quoi, j'ai mis plein de paillettes jaunes là, je sais pas ce que j'ai fait. On a pas mis la lessive. Ah oui, on doit mettre de la lessive. Alors, oh, avant de mélanger, voilà, merci à toi Loïs. On a soit de la lessive, soit du borax.
Alors, le borax, en fait, bah, c'est... moi je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Ça, c'est du produit pour les yeux. Oui, je sais. Voilà. Je suis pas bête. Et t'as la lessive, voilà, où tu... moi je trouve que c'est nettement plus simple la lessive. Sauf que ça colore un petit peu trop ton slime. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Tu vas mettre quoi? Du borax ou de la lessive? La lessive. La lessive, donc on utilise tous la lessive. Voilà. La voici. Voilà. La voici, voilà. Allez. On va déjà faire comme ça. Après, on en rajoutera si ça va pas. On a rien oublié là? Non, c'est bon? Non, je crois. Eh bien, je pense qu'on peut mélanger. Voilà. Allez, c'est parti pour mélanger. Ouais, non, c'est trop beau. On peut dire que le slime de Louis commence bien. Hein. Je sais pas si vous voyez bien les paillettes. Ça rend super bien. Voilà, il est très beau. Oula, moi pour l'instant, ça rend pas. Fais voir ta main là. Ouais, bah, ça aussi, voilà. En plus je marque vite, alors laisse tomber là. Oh. Regarde comme il est rouge. Tu vois? Regarde comme il est rouge mon poignet. Ah ouais. Tu le frottes. Super. Tu peux mettre ma main? Ouais, c'est bon. Vas-y, mets ta main. Moi j'ai un peu de retard là. Oh, le tien il est bien. Hein. Voilà, après sa première fois de sa vie, Louis, ça arrive à faire un slime. C'est plus beau dans ma vie. Tu vas pouvoir le montrer plus près après. Ah bah voilà. Moi, ils sont là ici. Ouais, bah le mien aussi, ok. C'est un peu raté, hein. Ah non, moi ça va là. Il se fait. Ouais, j'ai pas le prendre le mien, c'est bon. Ouais, ça va. Il est pas mal le mien. Un peu collant, mais ouais. Bah au final, le tien est quand même plus joli, hein. Le mien, il rend pas grand chose là, c'est vrai. Mais ils sont quand même un peu le chamallow. Ils étaient trop galère avec les monotones. Ouais, le mien est parfait. Vraiment, la matière. Il est une super bonne matière, ils sont super bons. Tu vas le montrer plus près. La couleur est vraiment super belle aussi, vous voyez pas trop là. Comparé à celui de Louis, vraiment. Il est génial le mien. Le mien est super. Et toi Louis, il a autant de qualité que ça? Bah oui, mais il est magnifique. Ouais, ouais. C'est ce qu'on va voir, on va bientôt les comparer. Alors voici le slime. J'allais dire mon snap. Ouais, ouais, ok. Alors j'espère que vous voyez bien les paillettes. Vraiment, celui de Louis rend super bien, je trouve. Il rend très bien, alors c'est un fluffy. Voilà, malgré qu'elle soit menottée, elle a quand même bien réussi à faire son slime. Hein. Vas-y, tu vas balancer du slime. Ah. Sur le pied. Pardon. Ouais, bah celui de Louis, c'est bien. Hein. Maintenant, on va montrer le mien, bah, qui est bien sûr le meilleur, hein, le plus joli, matière, l'odeur, etc. Ouais. Voilà, moi j'ai le meilleur slime. Voilà. Alors, et attends, là il est pas très beau parce que genre, je l'ai pas sorti. Hein. Alors, voici le mien. Parfait. Alors il est un peu verdâtre, mais genre je voulais faire un style, mais vu que bah, c'était blanc, j'ai le colorant bah allait pas. Voilà. Ça n'allait pas avec. Du coup ouais, il est un peu pailleté. Ils sont un tout petit peu le chamallow. Je dirais que j'étais vraiment une dose. C'est ce qui le rend en plus hyper gluant d'ailleurs. La dose. Donc ouais c'est bon. Le mien est quand même pas hyper terrible parce qu'il est un peu collant. Quand même. J'avoue que celui de Louis c'est un tout petit peu mieux. Non, en vrai celui de Louis c'est le mieux je trouve. Louis ça fait un très bon slime. Hein. Oui, je suis fier de moi. Moi, ouais. C'est pas le plus joli quoi, voilà. On a fini ces slimes. Hein. Ben, moi je trouve qu'ils sont bien quand même au final. Hein. Mmh. Ouais, ça va. Hein. La matière est bien. Alors dites-moi en commentaire quel est le slime que vous trouvez le mieux. Bon, celui de Louis c'est quand même un petit peu mieux moi je trouve. Hein. Puis au niveau de la matière, mais ça c'est parce que j'ai rajouté beaucoup trop de dop. Genre pour qui sont bons. Celui de Louis ne sont pas sans la lessive, hein, comme le mien en fait au final. Ils sont bons. Et moi je voulais vraiment qu'ils sortent de chamallow quoi. Voilà. Je voulais au moins qu'il ait une qualité. Bon du coup moi je me suis un peu raté, voilà. Celui de Louis, bah bravo hein, Louis hein, pour ton premier slime, ouais. C'est une bonne réussite. Alors je précise quand même qu'elle avait déjà fait des slimes mais qu'en fait elle s'était surtout ratée. Voilà c'est ça. Alors attends, je vais enlever mon slime et on va enfin pouvoir se détacher aussi. Ah, là on a vraiment des traces de fou. J'étais pour trop rouge. Et toi? Ah ouais, même bien que moi. Bon bah quand même, ce slime au final c'était quand même une réussite. Hein. Malgré qu'on soit benoté, ça rend bien au final. Hein. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel est le slime que vous préférez. Pensez-vous, pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur mes réseaux sociaux.
Salut.